Alors, bonjour les amis et tous les abonnés de l'école de la famille Ephata. Je vais voir qui est déjà connecté. Oui. C'est bien. Pas. Ah oui? Ah. Bienvenue à toi. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de trois clés pour créer l'harmonie conjugale et familiale. L'harmonie conjugale et familiale, c'est un sujet assez difficile et assez complexe. Et pour beaucoup de gens, il est difficile de la vivre dans des familles ou dans une relation, surtout les relations conjugales et familiales. Je vais partir de deux constats ou deux exemples que je vais donner. Vous et moi, nous vivons ce constat-là tous les jours dans la société. Il s'agit de deux cas de figure. Un premier cas de famille où c'est toujours les conflits interminables, c'est toujours des grincements de dents, c'est toujours des palabres. Il n'y a pas d'envie d'y vivre. Vous avez dû remarquer ces genres de familles ou ces genres de couples, lorsque vous les rencontrez, elles ne donnent pas du tout l'envie de rester avec elles longtemps. Parce qu'elles n'inspirent pas et cette gaieté du cœur, cette beauté relationnelle. Le deuxième cas de figure, c'est le cas de la famille où il fait bon vivre. Vous y allez, vous avez l'impression que ce sont des génies qui sont là. Vous avez l'impression que tout se passe à merveille. Effectivement, tout se passe à merveille. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Il donne l'envie d'être en relation, il donne l'envie de s'aimer et il y a l'entente. Il y a la joie entre les parents, la joie entre les parents et les enfants entre eux. Alors, quel est le problème du premier cas de figure et quel est le secret de succès du deuxième cas de figure? C'est simple. C'est la gestion des différences. Voilà ce qui peut créer l'harmonie ou ce qui peut détruire l'harmonie. Dans le premier cas de figure, les différences entre les conjoints ou entre les enfants, c'est un problème. Dans le deuxième cas de figure, les différences entre les conjoints et entre les enfants, c'est une richesse. Et c'est un ingrédient d'ailleurs qu'ils utilisent, ils ont appris à utiliser. Et vous voyez déjà ce qui explique l'échec de l'un et le succès de l'autre. De quelle expérience, de quelle différence parlons-nous ici? Il peut y avoir différence d'opinion, différence de point de vue, de vision. Différence de niveau intellectuel, niveau d'éducation scolaire et académique, différence d'âge, différence d'expérience, différence religieuse, etc. Et toutes ces différences posent problème dans beaucoup de relations,
et dans beaucoup de familles. Pourtant, ce n'est pas quelque chose d'impossible à réaliser, l'harmonie familiale et conjugale. C'est pourquoi je vais vous donner trois clés pour créer l'harmonie conjugale et familiale. Ce sont trois clés qui ont été éprouvées, que j'ai moi-même appliquées. Trois clés que j'ai vu d'autres appliquer. Trois clés que j'ai étudiées. Et cela apporte réellement de grands résultats et de résultats probants dans la vie relationnelle. La première clé, c'est quoi? Il s'agit d'identifier les différences. Quelles sont les différences qui existent entre nous, entre le mari et entre l'épouse, entre les enfants? Comme je l'ai dit tantôt dans la première partie, les différences d'opinion, différences religieuses, différences de point de vue, différences de vision de la vie, différences de goût, d'intérêt, etc. Il s'agit d'identifier cela de façon claire. Savoir qu'est-ce qui fait que l'autre est différent de moi. La deuxième clé, c'est accepter ces différences-là. Je vous raconte un fait. Et un jour, je voyageais, et c'était pendant la saison des pluies, et je suis arrivé à un certain niveau de la route où la route a été barrée parce qu'il y a eu une grande inondation. Et l'eau a envahi toute la route. Alors, les jeunes du village sont sortis pour aider les gens à traverser l'eau, moyennant une somme d'argent qui est 1500 francs pour les motos et 2000 francs pour les voitures. Alors, accepter, ça veut dire quoi ici? J'étais devant les faits. C'est oser reconnaître que c'est le chemin par lequel je dois passer. Devant l'eau, j'ai été contraint d'accepter l'aide de ces jeunes-là et de payer mon argent pour me faire accompagner pour traverser cette eau-là. J'ai reconnu que c'est ce qu'il doit faire, ce que je dois faire. J'ai reconnu que c'est ce qui existe. Accepter les différences, c'est également croire que c'est efficace. Ce que je suis en train d'expérimenter est efficace. J'étais devant l'eau et devant l'aide que les jeunes me proposent. J'ai accepté, j'ai compris que leur aide est efficace et efficiente. Ils savent mieux nager que moi et je ne vais pas me risquer ma vie en voulant traverser l'eau tout seul. C'est cela, croire que c'est efficace. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, en acceptant les différences, dans le couple ou dans la famille, il n'y a pas d'autre chemin si nous voulons créer l'harmonie conjugale et familiale. L'autre aspect d'accepter, c'est de trouver en elle, dans les différences dont je parle là, une solution. Il n'y a pas d'autre option. J'étais là devant l'eau, il n'y avait pas d'autre option. Vais-je rebrousser chemin? Ou vais-je attendre devant l'eau jusqu'au soir ou jusqu'à la nuit? Il n'y a pas d'autre option que de me faire aider par les jeunes. Ici, accepter les différences dans les relations conjugales et familiales, ce n'est pas, il n'y a pas 1000 options pour ça. C'est la solution. Si tu veux créer l'harmonie conjugale et familiale, tu as intérêt à accepter les différences dans le couple et les différences dans la famille. Entre les enfants, parce que c'est une richesse. La troisième clé, après avoir identifié les différences, après avoir accepté les différences, il faut composer avec les différences. J'ai appris beaucoup en musique. Lorsque je jouais le piano ou la guitare, et ce qu'est l'harmonie,
musicale. Pour faire un son harmonique ou harmonieux, il me faut 3 à 4 notes. Et ce sont des notes différentes. Do, mi, sol. Qui composent un son harmonieux, une note majeure. Ou cela peut être aussi une note mineure, ré, fa. Et ça donne une note mineure. Vous voyez, ces différentes notes, on les met ensemble et ça donne un son agréable à l'oreille. Donc, composer avec les différences, c'est chercher les voies et moyens. Comment je vais utiliser ces différences-là comme un ingrédient? Vous voyez, quand on fait la cuisine, quand on prépare un mets, on utilise différents ingrédients. Comment je vais les mixer? Comment je vais les utiliser? C'est cela, composer avec. Tester plusieurs options. C'est cela aussi, composer avec. Et intégrer les différences dans le quotidien. Je n'ai pas le choix. C'est les relations humaines sont faites d'abord de différences. Donc, il faut que j'apprenne à les intégrer. À les intégrer dans mon quotidien. Tenir compte de ces différences-là pour pouvoir rentrer en relation avec mon conjoint ou avec mes enfants. C'est cela, composer avec. Ou si vous voulez, ce qu'on dit ordinairement, faire avec. Vous voyez, ces trois clés forment une méthode. Une méthode que j'appelle IAC. Identifier, accepter, composer avec. IAC. Et j'utilise cette méthode pour accompagner nombre de personnes. Et d'autres personnes ont utilisé cette méthode aussi pour l'expérimenter ailleurs. Et nous avons vu des fruits probants, des résultats probants. Alors, si toi aussi tu veux apprendre à créer l'harmonie et conjugale et familiale dans ton quotidien, je t'invite à t'abonner à cette page de l'école de la famille Efata. Je t'invite à prendre contact. Nous avons un programme qui accompagne les gens, que ce soit les célibataires, que ce soit les mariés, les couples, que ce soit les enfants, pour leur permettre de créer et l'harmonie conjugale et familiale. Mais à travers cette méthode que tu pourras approfondir et l'appliquer dans ton cas précis, dans ton cas personnel, dans le cas de ta famille propre, dans le cas de ton couple, comment tu vas identifier, comment tu vas accepter, comment tu vas composer. Le comment est important. Beaucoup de gens savent, ont des informations, ils ont lu, ils ont participé à des séminaires, etc. Ils ont beaucoup de connaissances dans tel ou tel domaine. Ils ont entendu parler de l'harmonie conjugale et familiale. Mais comment mettre cela en pratique, comment vivre cela? C'est là que le bas blesse. Il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de barrières à franchir. Des barrières liées à notre éducation, des barrières liées à nos croyances, des barrières liées à notre environnement socio-économique, des barrières liées à notre santé mentale ou à nos maladies mentales, et bien d'autres barrières. Et l'accompagnement que l'école de la famille Efata propose, justement, c'est de pouvoir vous aider à circuler dans les méandres de toutes ces barrières et même faire disparaître ces barrières-là pour pouvoir avancer et connaître enfin la joie de vivre en famille, la joie de vivre une relation conjugale et familiale paisible. C'est cela les bénéfices de l'accompagnement que l'école de la famille Efata propose aux gens. Permettre aux gens de vivre une vie relationnelle calme, une vie relationnelle pleine de sérénité, une vie relationnelle pleine de joie, une vie de famille épanouie, un développement harmonieux de chacun, des conjoints, des enfants, etc.
Et c'est ainsi que ta famille ou ton couple pourra inspirer d'autres personnes. Il va inspirer d'autres personnes à rentrer en relation. Tu deviens en fait réalité un missionnaire. Sans le savoir, d'autres personnes, en te regardant vivre, auront l'envie de créer une relation équilibrée, une relation paisible, une vie de famille épanouie. D'autres personnes, en te regardant vivre, vont se demander, mais comment il fait? Et ils vont s'interroger et trouver les appuis auprès de toi. Tu deviens donc une source d'inspiration. Voilà les bénéfices de l'accompagnement qu'offre l'école de la famille Ephata. Alors, si c'est la première fois que tu es sur cette page, je t'invite une fois de plus et abonne-toi à la page pour pouvoir avoir d'autres vidéos de ce genre ou d'autres textes qui vont te permettre de réfléchir et de pouvoir bâtir quelque chose, construire quelque chose qui te convienne pour ton épanouissement relationnel et familial. Et je t'invite aussi à inviter tes amis à venir s'abonner à la page. Nous voulons créer une communauté de familles, c'est-à-dire des familles dont les membres s'engagent à créer un bel environnement pour l'épanouissement de tout le monde. Alors, je te remercie. Toi qui suis cette vidéo, ou toi qui suivras cette vidéo, et je t'attends. Contacte-moi et nous allons cheminer ensemble pour voir ce que nous pouvons faire ensemble pour le bien de nos familles. Les relations amoureuses ne devraient pas nous heurter, nous blesser à tout moment. Créons l'harmonie conjugale et familiale pour vivre heureux et épanoui tout simplement. Ciao!